Néflier contient tous les composants utiles du sol dans lequel il se trouve. Un nouveau bienfait de ce fruit, utilisé à des fins médicinales depuis des siècles, est découvert chaque jour. Le néflier, qui procure des avantages incroyables à notre corps lorsqu'il est consommé à la place de produits contenant du sucre raffiné, est bon pour de nombreuses maladies. Quels sont les avantages et les inconvénients de la consommation de néflier? Quand, combien et comment consommer? Examinons ensemble. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne avant de passer aux avantages. Nous sommes ici avec une nouvelle vidéo informative chaque jour. Quels sont les avantages de consommer 3 nèfles par jour? Le néflier contient à la fois des fibres solubles et insolubles. Les fibres solubles agissent comme des probiotiques et nourrissent les bactéries bénéfiques essentielles à notre système digestif. Les fibres insolubles permettent aux autres nutriments d'être mieux absorbés. Surtout la pectine contenue dans leur intérieur améliore le fonctionnement des intestins. Dans le même temps, la teneur élevée en potassium et faible en sodium du néflier aide à équilibrer la tension artérielle. Ce minéral est essentiel au bon fonctionnement de la fonction cardiaque et vasculaire. Un néfle contre les maladies. Le néflier contient une grande quantité d'antioxydants protecteurs et fortifiants. Ces composés aident le corps à combattre les maladies virales sous-jacentes en activant les cellules immunitaires. De plus, il aide à prévenir la perte d'eau en cas de forte fièvre grâce à sa teneur en vitamine C et en aussi, le néflier est efficace pour lutter contre l'anxiété et le stress. Les vitamines qu'il contient protègent l'ensemble de notre système nerveux en réduisant la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress, et réduisent le niveau de stress à court terme. À long terme, cela améliore notre santé cognitive. D'autre part, le néflier contient des fibres solubles qui ne sont pas fermentées dans l'intestin. Ces fibres aident au contrôle du poids en augmentant le temps de satiété. Un néflier pour des tissus musculaires et osseux plus sains. Le néflier, qui est très important pour la santé des os, aide à combattre l'ostéoporose plus tard dans la vie. Alors, y a-t-il un mal à consommer du néflier? Qui devrait être très prudent en consommant? Le néflier, qui favorise le contrôle du poids lorsqu'il est consommé en quantité suffisante, peut causer des problèmes de poids lorsqu'il est consommé en quantité excessive. De plus, le monde médical utilise activement le néflier dans la production de médicaments aujourd'hui. Par conséquent, le néflier peut interagir activement avec certains médicaments. Si vous prenez constamment des médicaments, consultez votre médecin avant de consommer de la néflier. Alors, combien de néflier devrait être consommé? Les experts recommandent de consommer 2 ou 3 mandarines par jour 2 à 3 jours par semaine pendant les transitions saisonnières. Consommer du néflier en saison au lieu de produits contenant du sucre raffiné augmentera votre niveau de santé. À la lumière de ces informations, vous pouvez ajouter la néflier à votre programme de nutrition et bénéficier de ses avantages à long terme. Si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Portez-vous bien, informez-vous.